Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment acheter de la crypto-monnaie sur les plateformes d'échange telles que EasyChange. Donc, pour cela, nous allons donc nous rendre dans notre compte EasyChange. Je vais cliquer sur Chrome. Je vais entrer mes coordonnées. Et puis, je vais me connecter à ma page EasyChange. Donc, nous patientons sans que ça change. Et une fois cela est fait, nous allons à l'interface de EasyChange. À ce stade, qu'est-ce que nous constatons? Première des choses, c'est que nous voyons je donne et nous voyons je reçois. Qu'est-ce que je donne? Je donne du CFA. Donc je clique sur je donne. Ça dépend en fait. Si je veux faire un retrait peut-être de la plateforme pour Mobile Money ou Orange Money ou Move Money ou même Airtel Gabon, Airtel Sénégal, Airtel Mali et tout ça. Si je veux faire un retrait de la plateforme, qu'est-ce que je vais donner? Je vais donc donner les USDT, les dollars en fait. Donc j'ai cliqué sur choisir. Si je vais faire un retrait d'une de mes plateformes sur lesquelles j'ai investi, je peux choisir la monnaie adéquate. Ça pourrait être le Tron TRC20 ou le BNB Smart Chain, le BUSD, ça dépend. Mais comme j'ai envie de déposer plutôt les dollars, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais donc cliquer sur je vais cliquer sur Mobile Money Cameroun. J'utilise du Mobile Money et ensuite je mets le montant. Je vais acheter les dollars d'une valeur de 100 000. De 100 000. Nous aurons une vidéo qui va expliquer davantage comment faire un retrait de EasyChange d'une plateforme vers EasyChange vers notre compte Mobile Money ou Orange Money. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Nous allons donc choisir la crypto-monnaie dont nous voulons acheter. Je veux du Tron TRC20. Il y a plusieurs réseaux. Nous avons le réseau Tron, le réseau BUSD, BNB Smart Chain, le réseau ERC20 et Ethereum. Donc nous allons donc choisir le Tron TRC20. Et on constate que j'aurai 140 dollars, 140,81 dollars. Et à ce niveau, on me demande l'adresse. L'adresse sur laquelle je vais envoyer les dollars. Alors, je vais donc sortir de là. Aller dans mon compte Binance. Je vais récupérer l'adresse. Donc, je vais cliquer sur Wallet. Ensuite, je vais cliquer sur Deposit. Je vais déposer de l'argent. Donc, je clique sur Deposit. Ensuite, je vais cliquer sur TRC20. C'est la monnaie. Du moins, USDT, c'est la monnaie que je vais déposer. Donc, je clique sur USDT. Et automatiquement, j'ai l'adresse de réception USDT qui va s'afficher d'un moment à l'autre. Il y a les différents réseaux. En fait, nous avons le réseau BNB Smart Chain, le EOS, la VAX Chain. Nous avons BNB Bee Chain, qui est le BEP2. Nous avons l'Ethereum, qui est le ERC20, le Polygon, le Solana, le Tezos. Et nous avons le Tron TRC20. Ce qui nous intéresse ici, c'est le Tron TRC20. Donc, nous allons donc envoyer nos fonds sur le réseau TRC20. Donc, je clique sur TRC20. Je clique sur TRC20. Et puis, je vais patienter quelques instants. L'adresse s'affiche là. Et donc, je copie l'adresse. Et à présent, je vais retourner dans mon compte EasyChange. Je vais me rassurer de coller l'adresse dans l'espace qui a été réservé pour cela. Donc, on voit clairement que l'adresse TRC20 est collée. L'adresse TRC20 est collée. AD7G et HI0OZ7. Nous allons aller vérifier. C'est toujours important de vérifier. Il semble qu'il y a un problème avec l'adresse. Donc, nous allons rentrer. C'est pour cela que j'ai dit c'est important de vérifier. Donc, je vais supprimer tout. Et il semble que j'ai entré l'adresse deux fois en fait. Donc on efface tout. On réentre l'adresse à nouveau. Donc je colle. Cette fois-ci c'est bon. TQGF HIOZ7. Donc je peux aller vérifier. TQGF HIOZ7. Voilà. Cette fois-ci tout est OK. Donc je vais cliquer sur suivant. Je clique sur suivant.
Et puis, j'ai patienté un instant. Là, on me dit que les frais de réseau, c'est 1 700 francs. Et les frais de transaction, c'est 1 dollar. Donc, au total, les frais seront de 2 000 et poussière. Donc, 2 700 francs. De toutes les façons, je vais recevoir dans mon compte la somme de 40,84 dollars. Et après avoir payé tous les différents frais liés à la transaction. Maintenant, tout ce que j'ai à faire actuellement, c'est de cliquer sur payer. Du moins, je vais entrer le numéro de téléphone dans lequel l'argent se trouve. Je vais donc entrer le. Et on entre le numéro sans indicatif du pays. Donc, j'entre aussi 53, 51, 22, 57, 85, 48. 51, 57, 85, 48. Et puis, je clique sur payer. Je clique sur payer. Et donc, voilà tout ce qu'il faut faire pour faire un achat des dollars sur EasyChange. À l'heure actuelle, le code Mobile Money viendra sur mon téléphone. Et puis, tout ce dont j'aurai à faire, c'est d'entrer mon code secret Mobile Money. Et la transaction sera effectuée. Il y a une précision à faire. Dans le cas d'Orange, je prends le cas d'un pays comme le Burkina. Si je vais acheter les dollars au Burkina, la procédure est un peu différente avec Orange. Différent dans quelle mesure? Dans la mesure où il y a un code qui est donné, ce code nous permet d'avoir un code à 6 chiffres, l'OTP. Donc, quand vous allez composer l'ensemble de ce code, ce sera étoile 126, étoile le montant, étoile le numéro 9, et puis vous allez confirmer. Quand vous confirmez la transaction, il y a un code que l'entreprise Orange vous envoie. Et à l'aide de ce code-là, on peut donc se servir de ce code pour faire la transaction. De toutes les façons, nous aurons une vidéo qui explique cela de façon détaillée, de façon pratique. Donc voilà comment on achète les dollars sur EasyChange à partir de notre compte Mobile Money. Donc j'espère que la vidéo va vous a intéressé. Si tel est le cas, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir des contenus pareils. Et naturellement, d'aimer la page et cliquer sur la cloche de notification. Là, vous allez recevoir des contenus pareils. Merci.